Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on reprend là où on s'est arrêté, c'est-à-dire à ma mort. C'est ainsi. C'est mon régent. Donc... Elle m'a quitté, ouais, c'est logique. Nous éduquer un enfant. Moi-même. Et j'ai besoin de quelqu'un de plutôt équilibré. Sûrement au maximum. Alors, ça serait 14, 8, 4. Martial, c'est du 15, 10. Comment ça se fait qu'elle soit pas si meilleure que ça en fait? Ah, c'est de base qu'elle est passif. Bon, d'accord. Bon, ben... Ça, c'est logique, hein. Évidemment, ouais, j'ai pas de prétendant pour l'instant, donc c'est logique que je puisse le faire. Ouais. Et nous avons déplacé... Déjà, première chose quand vous changez de reine, regardez vos vassaux. J'aimerais bien déjà m'occuper de moi. Voilà, vous cliquez sur vos vassaux. Opinion. L'évêque m'adore toujours. Le comte d'Auxerre, bon. Et après vous pouvez envoyer un cadeau, mais j'ai pas d'argent, donc c'est une technique. Hein. Alors, héritière. Le problème c'est que c'est ma demi-sœur qui est héritière, qui se apprécie pas trop. Mon couronne, petite taxe féodale, bon. Ça vient de l'héritière en fait qui est éduquée. Ça c'est une bonne nouvelle par contre. C'est pas plus mal, si jamais je me... Aquitaine, oh. Je sais pas comment il va faire là. Personnellement j'ai envie les troupes parce que la guerre assez... J'ai assez fait de guerre je pense pour un petit coup là. Donc on va se calmer un peu là-dessus. Le gros problème c'est que l'armée était positionnée qu'à un endroit, donc une attaque sur les deux flancs ça expose plus facilement l'armée. Vous avez beau avoir une immense armée si... C'est quoi ça? Deux flancs... Juste son indépendance je crois. Si vous avez toute votre armée dans une seule partie de votre armée, par exemple vous mettez tout au centre, vous faites attaquer par les flancs et vous subissez beaucoup de dommages en fait.
parce que vous ne compterez pas en quelque sorte ces flancs. Le but est bien évidemment de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est à vous de trouver cet équilibre. Hein. C'est à force de jouer, vous le trouvez. Hein. Morale de Lost, limite de provision, escorte. Escorte. Je comprends pas escorte ce que ça veut dire. Donc je m'en excuse. Et vu qu'il y en a qui m'apprécient plus, que je reprenne leur troupe. C'est logique avant tout. Je vais faire un festival, ça augmentera mon prestige et surtout ce que l'opinion qu'ils ont autour de moi, normalement. Voilà. C'est les guerres classiques. Hein. Plus vous avez beaucoup de territoire, maintenant plus il y a d'événements quand vous faites des choses en grand. Et on n'y peut rien. On obéit aux ordres en quelque sorte. Et on peut voir une nouvelle faction qui n'en a aucune. Parce que toutes les factions... Parce que... Il y a déjà une faction... L'avantage objectif, c'est que je pourrais être en fait 3. Je réfugierai ça un coup tout seul, hein, je vais pas vous mentir. Évidemment, quand t'es prétendant, t'es pas content. Et Venise a ici quelques territoires commerciaux, je présume. Je ne suis pas une république marchande vu que j'ai pas le DLC. Ça c'est clair. Hein. Bon. Je pourrais quasiment me permettre quand même de faire au premier niveau. Quasiment. Éminence grise. Diplomatie plus 9. Intrigue plus 2. Reddition plus 2. Fertilité plus 10. Bon. Au ce niveau-là, ça me va. Au niveau militaire, faut que j'évite d'aller à la guerre. Tout simplement. Alors, on va regarder déjà en rang. Les rangs, j'ai dit. Oh, mais j'ai vu une princesse à l'instant, attendez, j'ai pas rêvé. J'ai pas vu une princesse de l'Empire byzantin. Attendez. Princesse de Danemark. J'ai vu une princesse. Ouh, direct. Ah direct. Ah oui, direct, c'est la plus grande puissance de l'Est, donc oui, oui, direct. Hein.
Bon, un peu en rébellion ces derniers temps, mais... je pense que ça... Je vais prendre de l'argent. D'habitude, je préfère avoir plus de prestige, je vais pas vous mentir. Mais d'habitude, je suis roi. Donc voilà. Mais non, je peux déclarer en guerre en pire byzantin, mais vu le bordel que c'est, je vais éviter quand même. On va laisser tout se passer, on va laisser ça pour l'instant tranquille. Martial, il fait pas mieux. 14. Ah, 14, la princesse, là. Ah, ah. J'ai oublié une case, ça arrive. Bien évidemment, à Byzance, c'est une des villes où il y a la meilleure technologie. Alors, je vous rassure, c'est la dernière vidéo que je fais de suite, hein, 3 d'affilée, ça fait lourd, hein, ça. Hein. J'ai la gorge toute sèche. Ça commence à être compliqué de timer. Mais bon, je vous fais ça pour vous, en plus, vu que la méthode d'or est vraiment mauvaise, j'ai pas trop de choix. Ça m'occupe, je vais pas vous mentir, ça m'occupe vraiment beaucoup. Jardinier, Adrien. Voilà, l'avantage, c'est bien attendant, on est bien attendant. Bâtisseur de fortune, voilà. En fait, elle me complète là où il y a mes défauts, c'est que moi là je suis quelqu'un qui va là, elle me complète dedans en fait, elle me renforce encore les traits que j'ai envie. Moi ça m'arrange, bon, j'aime bien faire la guerre. Je peux directement en fait construire ce rivasso de mon comté, mais je ne peux pas construire ce rivasso de mon duché. C'est une importance assez différente. Mais bon, au final, moi je trouve ça va très bien comme ça. Et roi de Bretagne, l'autre. Très bien. Comment je peux être prétendant? Ah non, moi, des trois Bretagnes. Ah, comptez, comptez. Ah. Ah, non, plus sérieusement, mieux vaut privilégier ce qu'à côté de chez soi. Bon, après, si vous pouvez récupérer des terres païennes un peu quelque part. Pas en tir, c'est toujours sympa. Hein. En Espagne, la Castille a fusionné avec Galice et... je sais plus les trois parties d'Espagne. Galice est ici, Castille et Léon. Voilà, donc c'est la Castille, voilà, Léon, Castille et Galice. Donc le grand roi. Royaume, voilà. Ah bon, il se passe pas grand chose, je dois admettre, c'est parfois un peu... Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, c'est simple, moi je te déclare la guerre. Le ghost, moi, c'était clair. Évidemment, vu que je suis un roi médiocre,
symphonie à ce qui est, hein. Médiocre. C'est moi, là, franchement. Voilà, j'ai un martial. Ouais. Heureusement que j'ai défense, sinon j'hésiterai à me mettre dedans, franchement. Bon, Toulouse, vous son indépendance, bon. Toujours pareil, hein. C'est toujours au sud de la France, on a des problèmes. C'est incroyable, c'est toujours dans les mêmes régions. Légitimement, je pense pas. Hein. Faut être sociable, je suis désolé, c'est une logique de base pour moi. Faut être ouvert, moi je pense, le plus important c'est d'être ouvert aux autres. Hein. Et toujours être honnête. Voilà. C'est mon point de vue. Vous serez pas forcément d'accord avec moi. Je sais. Mais bon, je le dis. C'est mon point de vue personnel. Voilà. Je suis quelqu'un comme ça. Ah, c'est moi de France qui prend la place. Une chose qui m'a interpellé. D'accord, il m'a mis dans son armée. Je récupère ce qui m'appartient. Ah non, j'ai cru. Je peux pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bah, je vais augmenter en priorité. Ici. Ça ira, c'est une baraque de miliciens. Vu que j'ai fait quelques... Non, c'est bon, j'ai repositionné, j'ai cru que j'avais oublié de corriger cette erreur. Bien évidemment, les vassaux sont appréciés déjà parce que... Plus culture étrangère qui éduque... Voilà. Il n'y a plus ce petit problème-là, donc voilà, c'est bien. Moi, ça m'arrange. 10% de morale en moins. Parfait, parfait. Une guerre plutôt rapide, hein, je vais pas vous mentir. Pourquoi je fais ces guerres? Parce que ça m'arrange pour moi, ça me donne de prestige. Et plus j'ai de prestige, mais plus c'est bien, plus t'es célèbre, t'es prestigieux, tout ça. Ah, c'est uniquement pour avoir du prestige que je fais toutes ces petites guerres là qui normalement sont sans intérêt. Et pour mettre un peu aussi d'action dans ces épisodes, sinon c'est monotone, hein, l'épisode. Yep. D'une chose d'une, le chancelier s'est fait assassiner, c'est inadmissible. De une, de deux, nommer qu'un enfant, j'ai nommé, pas moi bien évidemment, mais j'ai nommé le courtisan là, parce que je le trouvais pas mal, et je lui ai demandé de fabriquer des trous d'enrocation à Santoise, que si jamais je peux déclarer une... il se passe une grande rébellion ici, indépendance, tout ça, je pourrais me permettre, je vais pas mentir, j'ai tenté de profiter de ça pour récupérer les petits points là, et si je vais récupérer carrément tout ça, moi ça m'arrange. Là c'est l'indépendance, faut pas être trop indépendant, franchement. Moi j'ai autant d'hommes que donc... Thank you.
Ça me fait toujours rire toutes ces histoires d'indépendance parce que c'est pas utile en fait. Bon, j'ai tenté de créer une faction. Est-ce que je peux... En fait, j'aimerais pouvoir m'élire en tant que roi de France, mais j'ai pas de revocation sur la couronne de France, donc je crois pas que c'est possible. D'ailleurs, on va mettre 3 x 2. Ouais, c'est une guerre qui est pas possible. J'ai beau avoir une alliance là-bas, pour l'instant cette alliance sert complètement à rien. Si ça se réunit, l'alliance sera utile. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. De base, ça rapporte quelques trucs de plus. C'est dommage que je peux pas me mettre en tant que roi de France. Ça m'est pas utile pour l'instant, c'est... On emprisonne beaucoup, roi. Et on emprisonne peut-être beaucoup. Voilà. Par contre, j'ai toujours pas d'héritier, donc... Au pire, je peux récupérer sa arme si je meurs. Que je ne me souhaite pas, hein, pas mentir. La Bretagne va redevenir française. Ce n'est pas trop tôt finalement. C'est pas mal, ça augmente de 5% les troupes totales, donc ça peut être utile quand même, 5%. Adeline de Besançon. Adeline. Oh, pas mal.
sais, je fais un mariage à la con, mais c'est pour mon bien. Pourquoi ma trionnaire en fait c'est comme ça, si jamais j'ai un problème que mes héritiers n'ont pas d'enfants, ça permet que ça soit d'avoir des enfants de ma. Bah de Besançon, ouais, de ma maison, voilà, je cherche. Donc au final ça me permettra d'avoir mes troupes. D'avoir des pas mes troupes, mes héritiers éloignés, c'est vrai, mais d'en avoir au cas où. Mais vaut prévoir l'impossible plutôt que voilà, cette surprise et se faire avoir. Moins 79, d'accord. Ouais, quoi, 427. La guerre, bien évidemment, elle va être gagnée d'une vitesse incommensurable, hein, faut pas... Voilà... Je suis à tête de cette armée, d'ailleurs, si vous avez fait gaffe. Et voilà, voilà comment on récupère une partie de cet endroit. Bon, bon, bon... Pourquoi il y a ce conflit? Pourquoi il y a ce conflit? Putain, ah, j'ai pas compris. J'ai pas vu pourquoi il a déclaré la guerre. Défendre contre Kaiser à guerre contre Eno. D'accord. Le Kaiser veut récupérer Eno. Ça une partie de chasse. Forcément ici, il n'y a rien à faire. On peut rien faire, la France est trop par où cet empire. De la chance car c'est une de mes trucs. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est une bonne idée. Thank you.
Déclare la guerre aux 6 ans qui est excommunié, je sais, voilà, ça se fait pas. Mais bon. Voilà, c'est notre... Voilà, ça vous laisse un bon petit moment pour réfléchir à ce qui peut y arriver. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vous jeux vidéo.